Donc vous avez un houmous de pois cassés avec des carottes lacto-fermentées, huile au piment d'Espelette et graines de tournesol. Et à côté, nous avons un pain au maïs avec une crème d'haricots blancs, crumble aux algues et pousses d'épices au vinaigre. Et pour accompagner le pain, nous proposons un beurre aux algues. Mmh. Ah, j'adore. Donc pour vous, nous avons le céleri rave en purée, en beignet, cru légèrement mariné, lucume au miso et un jus végétal. Et pour vous, nous avons la tarte fine avec appareil à l'oignon et emmental, pickles d'oignon, oignon frit, jus d'oignon au centre, coulis de cresson et scintillement de touraine râpé. Donc nous avons le tempeh de petit épeautre et sarrasin avec la purée de panais, panais rôti, navets, carottes glacées, chou kale et pickles de radis. Et les pointes rouges, c'est une sauce barbecue au poivron lacto-fermenté de l'été dernier. Et pour vous, nous avons des chines de porc cuites à basse température avec la polenta, poêlée de champignons et de chou kale, sauce aux herbes et le condiment orange sur le dessus, c'est du kimchi. C'est du chou fermenté au piment d'Espelette. Donc ça va être un peu relevé. Bon appétit. Merci. Donc nous avons la betterave confite, un crémeux à la betterave, sorbet maison à la betterave, gelée de rose, écume de lait infusée aux fleurs de sureau et praline de noisette. Et pour vous, nous avons la panna cotta, infusée au mélilo, qui est blanc qu'un gouvernier, tulle au sarrasin, confiture de lait, glace maison aux petites épeautres, cake au tourteau de noisette et pointe de crémeux d'amazake. Ça c'est une recette japonaise de riz fermenté. D'accord. Pour Web. Merci. Merci.